Les nouveautés de cette année, c'est que nous avons élargi encore le nombre de concerts. Cette année, il y a 20 concerts. La nouveauté El Jadida, comme vous avez pu le voir à l'extérieur, c'est que nous avons mis un écran géant pour pouvoir faire bénéficier tous ceux qui ne peuvent pas entrer dans le théâtre. Donc c'est une grande nouveauté, j'espère que tout le monde aura apprécié. Et nous avons fait venir des groupes, certains groupes pour lesquels c'est la toute première fois au Maroc, en particulier le groupe que vous verrez demain, qui est un groupe français qui n'a jamais tourné au Maroc et qui est un groupe aussi exceptionnel que je vous invite à venir découvrir. Nous avons un très très bon partenariat avec la direction de la culture. Nous essayons de faire un maximum de choses en commun. Je crois que nous avons une même vision des choses et que nous souhaitons apporter le maximum à la jeunesse marocaine. Cette année, grâce à tous les partenariats que nous avons pu nouer, nous avons fait bénéficier plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents de spectacles, d'expositions, de films, de cinéma d'animation. Donc c'est un excellent partenariat et je suis très très heureuse d'avoir pu le mettre en place. On souhaite pouvoir développer encore nos activités. On souhaite aussi avoir des réponses, peut-être des idées. On attend aussi que la jeunesse nous demande ce qu'elle attend, ce qu'elle veut. Le cinéma par exemple n'est pas toujours très très fréquenté. On aimerait bien avoir plus de jeunes au cinéma. On passe souvent des films qui s'adressent à la jeunesse. On a passé des films avec des thématiques qui sont chères au Jdidi, comme le foot par exemple. Donc on aimerait pouvoir toucher encore plus largement les jeunes et on attend aussi leurs suggestions. Donc on travaille aussi beaucoup avec toutes les associations culturelles d'El Jadida pour pouvoir proposer des choses à la jeunesse. Cette année, nous avons proposé un premier tournoi de jeux vidéo. On va en refaire un là très bientôt. Il y a une grande demande autour du numérique, des jeux vidéo et on espère pouvoir offrir aussi des choses dans ce domaine-là.